Bonjour à tous et à tous, et voici une nouvelle pièce de théâtre à moi. Et là, on va mieux parce que j'ai fait un petit zoom. Là aussi, voilà, on me voit un peu mieux. Et voilà, mieux, là. Et voilà, donc ça va s'appeler La Belle Affaire. Mais on ne sait pas si c'est pour le client ou pour le vendeur, mais bon, ça s'appelle la bonne affaire de la voiture. Ah ouais. Bon. Et donc, c'est François et Didier. Ils ont acheté tous les deux une voiture. Et le vendeur dit, voilà, vous avez fait une bonne affaire. Mais il n'a pas dit que c'est une bonne affaire pour lui. Ou une bonne affaire pour eux, mais il a dit c'est une bonne affaire. Donc voilà. Et donc, mais elle est routée et tout. Hein. Oh. Pourtant, elle n'a pas beaucoup servi, hein. Mais elle est routée quand même. Hein. Rodée. Rien. Rien. Et donc voilà. Et donc, elle est un peu rodée, et mais le vendeur dit là, il faut bien tenir votre boîte parce qu'elle est peut-être rodée, mais elle est un peu lourde hein, pour conduire. Elle dit ça, bon, moi je tiens volant, et toi tu tiens ta droite, hein. Bon. Et toi, tu tiens la droite, hein? Bon. Alors, il roule. Alors, à droite, voilà. C'est bien, reste à droite, hein? C'est bien, t'es à droite, là. Alors, c'est ça va. Ah ouais. Mais le moteur, on l'entend pas, hein? Ah, pas un bruit, hein? Vraiment silencieux de silencieux, hein? Ah ouais. Comme dans votre âme. Ah ouais, hein? Mais bon, mais ça c'est dans leur, quoi, les voitures ne font pas de bruit. Ils ont la priorité, donc normalement ils sont censés faire du bruit. Pour montrer qu'ils arrivent, pour qu'on puisse faire attention et les laisser passer. Ah non, ah ouais, ah ouais, mais c'est dangereux. Ah ouais. Bon, il faut bien qu'il y ait un vélo de merde. Enfin, le vélo n'est pas de merde, mais le cycliste de merde, lui, il sait pas rouler déjà. Mais en plus, il est vraiment agressif. À moins, encore plus agressif qu'un piéton. Encore plus agressif qu'un motomobiliste. À moins, c'est que la voiture, à moins. Et vous avez vu son avant, à la porte est pleine, hein? La mère de l'enfant de 12 ans, avant, parce que, après c'est la police qui l'a conseillé de porter plainte, vous imaginez, la police qui conseille de porter plainte, et qui a, oui, pour accepter c'est obligé, hein? Mais, ah oui, mais bon, voilà, voilà. Et, hein, pour ça, moi je vous dis, je vois ça, c'est fini, hein. Je dis, oh, t'as juste fait, bah, tiens, voilà, comme c'est un enfant de 12 ans, il n'y a peut-être pas cette faute pour te la rendre, moi je la rends à sa place. Et je tape. Moi, et oh, hein, ça va pas à la tête, hein. Hein. Bon, à la première, mais ils se sont bougés, donc ils ont fait un effort. Donc, ils se sont pris dans le chemin. Et elle vient, elle gifle l'enfant. Allez, hein, 12 ans, allez, dit. Si j'arrête là, je l'aurais défoncé, la vieille. Enfin, la cycliste. Hein? On touche peut-être pas une femme, mais elle, c'est pas une femme. Hein? Ah non, c'est une folle, c'est folle. Hein? Ah ouais, c'est vraiment la connasse de connasse. Hein? Je lui dis, franchement, voilà. Au revoir.
Et donc ils ont acheté une voiture et tout. Enfin, ils ont acheté une voiture. Ouais, mais une d'occasion, hein. Un moins. Mais qui rôdait et tout. Un avec 200 km à l'heure. Que 200. Elle n'a que 200 km au compteur. Hein, mais il roule pas vite. Mais il roule pas tout le temps avec. Hein. Enfin, il roulait pas tout le temps avec. Hein, le monde. Ah non. Non, mais elle est quand même bien rodée. Ouais. Elle le moteur, tu t'aimes bien. Ah ouais, il tenait dans tous les sens. Mais problème, c'est que cette voiture-là, elle consomme beaucoup, ce qui n'est pas normal. Mais quand on ne parle pas beaucoup, mais quand on ne parle pas beaucoup, elle consomme beaucoup. Mais quand on parle vite, elle consomme beaucoup. Mais quand on le vite, elle consomme beaucoup. Mais quand tu roules pas vite, ben ça c'est normal, quand tu roules pas vite, ça consomme plus vite, hein. Ça consomme plus. Hein. Mais là, ça consomme encore plus. Alors, je sais pas, ils doivent faire le plein. N'est-ce pas, les gars, vous faites toujours le plein. Mais à la longue, le plein, ça devient cher. Hein. Il faut mieux alors acheter des jerrycans, hein. Ça vous fait vous-même le plein. Ben, c'est pas compliqué. Hein. Tu vois l'embout de la. Oui. Eh ben, t'as qu'à acheter l'embout, mais sans le tuyau. Hop. Ah, si, avec le tuyau, ça va mieux. Mais qui n'est pas accordé à la pompe. Hein. Non, non. Il est accordé à rien et tu le mets dans la chicane. T'as plus sur le truc. Hop. Et voilà. Et tu fais le plein. Au moins. Parce que tu peux ouvrir. Hein? Parce que même si tu ouvres le réservoir de l'essence, même si ça sent l'essence, c'est pas pour autant que la voiture est pleine. Hein? Bon. Enfin, que le réservoir est plein. Hein? Bon. Ah ouais, c'est pas ça que ça sent l'essence que c'est plein. Hein? Ah ouais. Hein? Donc voilà. Alors ils sont contents. Ils savent toujours pas si ça fait une bonne affaire. Enfin, à mon avis, je pense qu'ils ont fait une bonne et une mauvaise affaire. Hein. Mais bon. La bonne, c'est que c'était pas cher. La deuxième, c'est qu'elle était rodée. La troisième, elle était équipée de tout. La sixième, elle était bien entretenue. Ah ouais. Elle consomme beaucoup, mais elle pollue pas beaucoup. Malgré qu'elle consomme beaucoup. Ah ouais. C'est un petit filtre pour filtrer ça. Ah ouais. Mais quand même, hein. Ah ouais. Parce que, hein. Ouais, mais c'est déconné, hein. Parce qu'à un moment donné, j'ai tellement marre de faire le plein. Ah ouais. Ils ont revendu la voiture. Ah ouais, vous avez revendu la voiture, hein? Au moins. Évidemment, pour le même vendeur, hein? Non. Vous l'avez revendu à quelqu'un d'autre. Ah, je sais. Et vous avez acheté une voiture électrique. Au moins. Au moins. Mais ils ont pensé à tout, hein? Je sais pas si c'est interdit par la loi ou pas, mais ils ont mis. Un moteur, donc là on met le moteur. Hein. Et le moteur de remplacement, qui est aussi, lui aussi, il est chargé de batterie, enfin d'électricité, il le met dans le coffre. Hein. Voilà, quand l'autre tombe en panne d'électricité, il n'a qu'à changer de moteur, au lieu de faire le plein, il change de moteur, tout simplement. Ça vient moins cher. Hein. Et pendant qu'ils font le plein, il n'y a pas moyen, mais. Donc là, il a fait le plein. Mais ils aimeraient bien acheter une. Enfin. Revendre cette voiture pour acheter une où tu peux faire le plein de ta voiture électrique à l'intérieur de la voiture.
en branchant le tout sur le même cigare. Ça ne se sait pas encore, hein, mais il faudrait. Comme ça, tu n'as même pas à te déplacer pour faire ça. Non. Non, tu vas. Hein, tu dis, oh non, je vais faire le plein, je dois aller là, mais je dois d'abord aller à la pompe électrique pour faire le plein. Mais si t'as deux, ouais. Et si tu peux le charger à l'argent, tu continues ton chemin, sans faire un détour à la pompe électrique, ou à l'essence, pour ceux qui ont encore de l'essence. Enfin, l'essence, c'est pas vraiment. Enfin, moi, tu mets. Voilà. Mais donc, ça veut dire que. Oh, mais elle est bien. Hein? Bon, c'est un gros bac un peu lourd. Quand même, hein? Et c'est une grosse voiture. Hein? Oh, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de 4x4, un mélange de Toyota, un mélange de. Allez, de Jeep, un mélange de souterrain, de tout-terrain, un mélange. De Mercedes, un mélange de. Allez. Enfin, bon, voilà, c'est pas grave, un mélange de tout, enfin, voilà. Elle pèse quand même. Allez. Pas de tonnes, parce que sinon, ça, c'est pour un camion, tu dois avoir le premier camion. Mais. Elle est à la limite du permis de camion. À la limite, elle est à la limite du permis. Donc elle n'est pas au permis poids lourd, mais c'est moi quand même un petit souillon, donc ça compte, mais quand même, hein, en moins, s'il ne faut pas de gros brins pour tourner le volant quand on est à droite, en moins, c'est pour ça que tu as besoin de quelqu'un à côté de toi, tu dis, ah là, encore à droite, voilà, comme ça tu vas à droite, en moins. Mais c'est bien. Vous avez. Mais ça n'existe pas encore. À moins que vous le fabriquez vous-même. Ouais. Ben, la batterie. Ben, la batterie qui sait. Oh. Ah ouais. Si tu ne connais pas le. Ouais. Ça. Ah, je ne sais pas si c'est légal ou. Ben, renseigne-toi. Au port de ton garagiste. Hein. Et tu notes tout ce qu'il te dit, hein, au moins. Et non, bah oui, sur papier, mais aussi sur. Allez. Sur. Allez. Ou carrément, hein, tu fais une vidéo sans lui dire que tu fais une vidéo. Tu lui dis, oui, j'entends regarder des. Allez. Des maisons, parce que je voulais marcher une maison, mais c'est pas vrai, toi t'as de le filmer, mais voilà. Et ben voilà. Hein. Au moins. Comme ça, si jamais c'est un contrôle avec les keufs, et ben tu peux pas. C'est lui qui me l'a dit, tout ça. Et hein. Si jamais eux vont chez lui, enfin au garage, et que lui dit, ah non, moi j'ai jamais dit ça, paf, tout le monde la vidéo. Et voilà. Et comme ça, il ne sait plus rien dire. Ah non. Et donc, voilà. Voilà. Ah, mais c'est loin. Ah, mais c'est pas une blague. Ah, mais c'est sérieux. Ah, mais c'est ça. C'est sur l'Afrique, hein. Et l'Afrique, elle est là qui va avec, hein. Ah, ouais. Et donc voilà. Et donc vous avez. C'est bien. Ah ouais. Moi, c'est une bonne idée, vous avez fait. Vous avez inventé une. Ah ouais, il faut. Ah ouais. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Mais c'est bien. C'est très bien. Et puis voilà, c'est ce qu'il faut dans la vie. En moins la frétin. Bon. Et voilà, la pièce est finie, mais vous aurez demain un nouvel épisode. Ah oui, demain,
La Turquie contre l'Italie vont ouvrir le bal à la Coupe d'Europe 2021. Ah ouais? Ceux qui ouvrent le bal. Pas pour les danser, hein, non, non. Le bal du jeu. Oui, l'ouverture du jeu. Hein? L'ouverture allez, de la Coupe d'Europe, hein? Ah ouais? La Turquie contre l'Italie, hein? Et la France, le premier match contre la France, eux, ils vont perdre. Eux, ils jouent le premier match de la France, je pense, c'est le 15, le 14 ou le 15 ou le 17. Eh ben, ils vont jouer contre l'Allemagne. Ah bon, mais ça, c'est sûr. Hein. Ah ouais, ils vont se faire écraser par les Allemands. Hein. Et les Allemands, ils savent jouer au football. Hein. Les Français aussi, mais en trichant. Mais bon. Ah ouais. Mais cette année-ci, je les ai à l'œil. Hein. Il faut pas qu'ils trichent. Hein. Bon. Alors. Bon. Et donc, voilà. Donc, et ça, c'est ça. Et ça, c'est. Voilà. Mais nous, la Belgique, c'est le 12. Donc, le 12, Belgique contre la Russie. Et la Russie la Belgique va gagner. Elle va niquer les Russes. Ils vont râler comme des poux, mais ça c'est pas étonnant. Non, ils n'ont pas d'éducation, eux. Donc c'est normal qu'ils vont râler comme des poux. Parce qu'ils n'ont pas d'éducation. Donc voilà. Et donc voilà. Et maintenant, ah oui. Et demain, Rafael Nadal à 17h30, à 17h30, il va jouer la demi-finale pour se qualifier en finale. Vous pouvez retrouver ça sur la Rebebe ou sur France 2 ou sur France 4. Donc voilà. Ou France 1 pour ceux qui ont France 5. Mais bon, voilà. Moi je l'ai pas, mais pas grave. Hein? Pour ça, quand t'as une seule télé, tu sais regarder qu'un seul poste à la fois. Hein? Bon. Parce que. Bon, on va le faire. Et voici. Et maintenant, voici les histoires de Jeannot et Jeannette. Allez, Raoul. Alors, t'as acheté 4, 5 télévisions. Et les 4, 5 trucs différents. Ouais, mais. Quand le robot rentre chez toi ta chambre pour faire le nettoyage, il a l'impression de rentrer dans un marchand de télévision. Hein. Parce que, deux trucs différents que tu regardes. Alors, sur la première chaîne, il regarde RTBF. Sur la deuxième chaîne, il regarde France 2. Sur la troisième, donc, sur la première télé, il regarde la RTBF. Sur la deuxième télé, il regarde France 2. Sur la troisième, une chaîne néerlandaise. Sur la quatrième, une chaîne allemande. Et sur la cinquième, une chaîne italienne. Ouais, mais hein? Faut suivre, hein, avec eux. Ouais. Et tout ça en même temps, hein? Je mets comment t'as la suite, voilà. Puis là, je te dis. Voilà, on dit. Moi, j'avais déjà pas suivi. Il est tout compliqué, mais alors, hein? Ah, mais ça chie dedans, hein? Il va pas naître. Ça chie dedans, je te dis. Ça chie dedans. Un point, c'est tout. Mais dis pas poney. Bon. Et donc voilà. T'as eu peur, mon papa aura peur, imbécile. Mais dis pas poney, c'est un imbécile. Bon. Ouais, mais quand il regarde le tennis, il regarde le tennis sur la RTBF 1, sur la RTBF 2, non, non.
sur RTBF 2, sur France 2, France 3, 1. France 2, la RTBF 2, mais ça s'appelle plus les deux mêmes mains, j'apparais tout ça, bref, sur France 2 et sur France 5. Ah ouais? Ah ouais? Sur les autres chaînes, là, il y a autre chose. Ah ouais? Mais quand c'est le football, comme maintenant, ça va être le football, demain, bon, demain, on va regarder ça comme ça, mais enfin. Enfin non, on va pas regarder demain. On va être là à 22 h, voilà. Samedi, jusqu'à là plus tôt, hein. Alors, vers 13 h. Rien. Rien. Hey, c'est vrai, ça va chier là-dedans. Au revoir. Bon. Donc, je m'imagine, sur la RTF1, il va regarder le football. Sur. Attends, hein. Ah, mais j'ai pas encore acheté le nouveau. Mais demain, j'achète le nouveau livre. À moi. Bon, ça, je. À moi. Rien. Donc. Il va, à mon avis, ils vont donner deux matchs sur le. Attends. Un an, un seul match par heure, c'est juste. Ah ouais. Mais quand ils seront tous presque en même temps, il va regarder. Là, ce match-là, l'autre, ça ne marque un. Il va voir. C'est de Raoul tout craché. Hein. Mais son frère n'est pas mieux. Hein. N'est-ce pas, les deux Raoul, vous n'êtes pas mieux. Hein. À moi. Parce que, hein, ton frère, il a acheté 5 télés. Toi, t'as acheté 5 télés et 5 radios. Oh, mais, hein? Et des télés différentes. Ah, ouais. Donc, ça va. Ton frère, il a acheté 3 fois la même marque. Oh, mais quand on achète la même marque, après, les gens ils vont voir que tu fais une collection. Hein. Ah bon? Ah, mais c'est gravion, hein? Aïe, la frette, hein? Et l'omelette qui va avec. Aïe, bon. Parce qu'avec vous, hein? Ouais, mais rigole pas, hein, toi, Jean-Philippe Nicolas, ne rigolez pas, les gars, parce que vous, c'est pas mieux. Hein? Ah ouais? Ouais. Parce que, hein, vous n'avez peut-être pas acheté deux, enfin, beaucoup de télé, enfin, vous n'avez qu'une seule télé dans votre chambre et une seule radio, mais, hein, par contre, vous avez 10 ordinateurs, hein, pour aller sur Internet, je sais pas comment vous faites pour aller sur 10 ordinateurs en même temps, hein. Alors, vous allez mettre l'un, puis l'un, puis l'un, puis l'un, mais ça part en même temps. Ouais. À moins que tu fais celui-là, t'appuies sur celui-là, avec le premier, enfin, le premier ordinateur et puis le deuxième ordinateur, comment je fais avec la tablette et le GSM pour démarrer les vidéos. Ou alors, tu demandes à ton frère d'allumer les deux autres, mais comme tu en as 5, qui va allumer le troisième, le quatrième et puis le dernier? Ça va pas, hein? Bon. À moins. Donc voilà. À moins. À moins. Et puis vraiment, c'est même pas pour que des infos, c'est pour payer vos factures. Alors, hein? Avec un seul A pour aller plus vite. Ouais. Pour aller plus vite. Hein? C'est pas une course, hein? Tant que tu le fais dans les temps, hein? Bon. Hein? Par exemple, moi je sais ma photo de Bagacom. AP avant le 22. Mais c'était avant le 22. Donc, maintenant, enfin, c'est déjà fait. Bon. Ouais. Mais c'est marqué avant le 22.
Mais c'est pas marqué à quelle heure tu dois le faire. Hein? Ah non. Tu peux le faire avant le 20. Hein? Bon, moi, c'est déjà fait. Mais voilà. Hein? C'est comme la banque. La banque, elle paye toujours le premier du mois mon loyer. Mais elle peut faire alors qu'elle veut. Sauf si c'est fait à minuit. Là, on n'est plus le premier. C'est fait le minuit. Enfin, le deuxième minuit, mais pour le. Qui est l'ouverture du deuxième jour. Voilà, c'est ça. Là, non. Mais tant qu'on est le même jour, hein? Bon, maintenant, on n'est pas le premier. Mais bon. Mais imaginons qu'on est le premier. Elle peut faire ça elle n'est pas obligée de faire ça à 8h. Elle peut faire ça à 9h, à 10h, à 11h, à midi, à 13h, à 14h, à 15h, à 16h. C'est la date qu'il ne faut pas dépasser. Pas le jour. C'est la date et le jour qu'il faut pas dépasser. Pas l'heure. Hein. L'heure, ils sont pas les couilles. Hein. Ah non, hein. L'important, c'est qu'il reçoit l'argent. Donc la personne à qui tu as payé la facture, enfin la société à qui tu as payé la facture, elle s'en bat les couilles à l'heure à laquelle tu le fais. L'important, c'est que tu as payé à temps et à la bonne date. Voilà. Enfin, l'heure, tu peux le faire à l'heure que tu veux. Hein. Bon. Il ne faut pas oublier de le faire. Moi, j'oublie jamais. Mais la banque non plus d'ailleurs. Hein. Mais bon. Mais voilà. Hein, mais c'est comme ça. Mais avec les Raoul, c'est grave, il y en a. Hein. 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 C'est grave, il y en a. Hein. Bon. Parce que, hein? Ah ouais. Mais bon, c'est Raoul, les deux Raoul et Jean-Jean et Jean-Pierre Nicolas, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Et gars, ça vous arrive souvent de chanter quand vous prenez votre douche? Ah ouais. Ben, je dis. Ouais, mais vous chantez déjà comme des casseroles. Mais en plus, si vous chantez dans la douche, faudra pas étonner que les tours explosent hein, de rire. Hein. Bon. Ah ouais. Ou parce qu'ils ont mal au tuyau. Hein. Ah ouais. On pas de l'oreille, les tuyaux n'ont pas d'oreille. Donc voilà. Non, les tuyaux ont mal au tuyau. Ouais. Ils n'ont pas d'oreille. On va pas dire le tuyau a mal à l'oreille parce que le tuyau n'a pas d'oreille. Bon. Donc on peut pas dire le tuyau. On ne peut pas dire le tuyau a mal à l'oreille parce que le tuyau n'a pas d'oreille. Donc il faut dire le tuyau a mal au tuyau. Oh. Non. Hein? À moins que quelque chose soit bouché comme un tuyau. Mais à part ça, hein. Ah, mais ouais, mais les gars, hein. Ah, mais c'est sûr la frite, hein. Ah, mais c'est comme ça, hein. Ah, rien. Ah, mais t'as le jus, une fois, hein. Ah, moins. Ah, mais le bœuf, c'est le problème, une fois, mais le bœuf, c'est. Ah, rien. Ah, mais le bœuf, c'est le problème, une fois, le bœuf, c'est le problème. Là, je parle, hein. Ah bon? Ah y'a, bon. Parce que, hein, bon. Hein? Heureusement que les femmes sont là pour vous remettre pour vous ramener à la raison. Ah ouais. Maintenant, ouais. Et parce que, bon, t'es pas pour chanter, parce que ça, on s'en bat les couilles, vous avez le droit de chanter, on est libre. Mais pour les télévisions, même si on est libre. Hein? Ça consomme beaucoup d'électricité, hein? Hein? Un appareil consomme moins. Si tu allumes un seul appareil, mais que un seul appareil, ça consomme moins que si tu allumais deux appareils. Voilà.
Ah ouais? Bon, une télé, c'est pas un appareil. Une télé, c'est une télé, hein. Bon, ça n'est peut-être pas des appareils si tu veux aller en acheter un appareil. Bon. Ouais, bon, moi, je paye deux, mais c'est parce que moi, ma console, elle consomme pas beaucoup, donc ça va. Si c'est une console, ça va. Mais par exemple, si tu allumes la machine à laver et en même temps le séchoir, si jamais les plombs ils tiennent, ça va carburer, hein, dans la consommation. Allez, ça. Ouais. Ouais. Donc. La femme, ils ont dit qu'ils allaient s'y regarder. En fait, ils ont mis son jour d'avis. Vous êtes droit à avoir des télés, mais au lieu de les mettre tous, ils les avaient tous au même endroit. Ils ont décidé de mettre les télés, tous les, allez, et de garder et de laisser que deux télés. Ah ouais. Ah ouais. Évidemment, j'ai déjà vu, hein. Raoul avec le casque. Et la femme et Rosaline aussi avec le casque. Ah ouais. Parce qu'il n'y a pas la même chose. Ah non. Alors s'il ne met pas le casque, Rosaline aura le son de ce film-là, et lui il aura le son de l'autre film, mais ce n'est pas le même film, donc voilà. Donc voilà. Ah ouais. Mais les autres télé, ils ont décidé de les mettre dans l'armoire. Voilà. Comme télé de remplacement. Comme ils sont déjà payés et achetés, sont des télé de remplacement. Allez. Comme ça, voilà. Quand une télé est capoutonne, hop, voilà. Vous l'envoyez au conteneur. Et au lieu de plonger au magasin pour acheter une nouvelle télé, quand vous avez déjà des télé de rechange, voilà, des télé de rechange, voilà. C'est le bon terme que je cherchais. Télé de rechange. Donc voilà. Moi. Ils en ont deux. Voilà, deux. Ils en ont deux. Et voilà, ils ont acheté cinq télé. Mais avec deux qui sont allumés. Deux. Donc, il y a trois télé de remplacement. Ça pour remplacer les deux télé. Voilà. Non, mais comme il y en a deux, ils ont mis deux. Deux. Donc, s'il y en a une qui pète, paf. Hop là. Le deuxième arrive. Donc, il ne manque plus que deux. Ah ouais. Et quand. Ah ouais. Mais si les deux télés pètent, paf, alors ça fait une, deux, un an, deux. Voilà, deux. Donc, ces deux-là. Attends, on va dire, voilà, ces deux-là ont pété. Donc, voilà, deux. Deux. Eh bien, ces deux télés-là, on va les deux. Mais ça veut dire qu'il reste plus qu'une télé de remplacement. Mais bon, c'est pas grave, hein. Hein? Une télé de remplacement ou une télé de dépannage. Hein? Tu peux l'appeler comme tu veux. Ouais. Ça fait, ah ouais. Tu peux donner tous les noms que tu veux pour la même histoire. Ça sera toujours pour la même action. Bon. Ouais. Ouais. Bon. Hein? Mais bon, c'est vrai que. Mais bon, avec les
Hein? Ouais. Et la radio, c'est pareil. Au stade, parce qu'ils écoutent pas la même musique. Hein? Oh non. Hein? Non. Hein? Et la radio, c'est pareil. Deux. Une pour Roselyne, une pour Raoul. Une pour Jean-Jean, une pour la femme de Jean-Jean. Une pour Jean-Philippe, une pour la femme de Jean-Philippe. Une pour Nicolas, une pour la femme de Nicolas. Une pour Raoul sur le H et une pour Tintin. Ouais. Faudrait que moi, enfin, moi et Jeannette, on a chacun notre télé aussi. Mais bon. Hein? C'est comme ça, hein? Hein? Jeannette et moi, on a, c'est une télé pour chacun. Ouais. Donc, comme il y en a 5, une pour lui, une pour lui, ça fait déjà 2 en moins, une pour lui, ça fait déjà 3 en moins, une pour l'autre, une pour l'autre. Donc ça veut dire que si on fait comme ça, hein, on va faire Roselyne, hein, alors. Roselyne, Raoul, Roselyne, ça fait déjà 2 pour Roselyne, Raoul, ça fait déjà 2 pour Raoul. Et Rosaline. Donc, Rosaline, non, elle n'a que le temps. Hein. Rosaline, ça fait 1. Raoul, ça fait aussi 1. Donc voilà. Rosaline, ça fait déjà 2. Raoul, ça fait déjà 2. Voilà. 2. Et Rosaline, ça fait déjà 3. Elle a la 3. Hein? Mais bon. C'est comme ça, hein. Mais quand t'as pas l'habitude, t'as l'impression de te retrouver chez un vendeur de télé, hein. Ah ouais, hein. Ouais. Ah, ok, comme il y a un peu de deux, ça va encore. Mais hier, ils en avaient 5. Et sur les 5, on en avait 1, 2, 3. Voilà. 2. 2. Ouais, ça fait L. Voilà, on va faire comme ça. 2. Rien. Bon. Peace. Rien. Mais bon, c'est comme ça. Rien. Et maintenant, voilà. Les histoires et les aventures de Jeannot et Jeannette, c'est fini pour aujourd'hui. Mais il y a demain, rien. Et maintenant, des bonus. Non, pas des bonus. Des invités. Et non pas du thé. Hein, mon lapin? Il y a. Lui, c'est Alfred. Voilà. L'autre, c'est aussi Alfred, mais il a changé de nom parce qu'il a trouvé que c'était ridicule d'avoir le même nom que voilà. Donc il a décidé de s'appeler Robert maintenant. Voilà. Rien. Rien, la frite. Non, c'est pas ça. Elle est où la faute là?
s'appelle Robert maintenant. Angela. Voilà Robert qui s'appelait avant Alfred, mais comme son frère jumeau s'appelle aussi Alfred, il a pas fait, voilà, pour pas les confondre. Voilà, allez. Allez, la tablette. Ask Beans, hein. Allez, la tablette. Je sais pas. Bouge plus. La tablette. Salut Robert, ça va Alfred? Ah ouais? Alors, hein? Ta femme a... Oui. Elle s'est barrée, hein? Pendant la nuit. Ah ouais? Elle est rejointe son allemand, son... allez, son... Hein? Ah ouais? Son, pas son allemand, son amant. Amant. Ah ouais? Non, t'as dit. T'étais à quelle heure à 23h au lit? Ou t'étais à 23h? Réponds à ta femme, hein? C'est bien ça, hein? Ah ouais? Et toi, elle a répondu. Je suis dans mon lit, et toi t'as voulu te pour une conne, et elle t'a répondu, ben non mon chéri, tu plaisantes. Ah non, est-ce que tu rigoles? Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Ben non. Alors t'as répondu, à 23h tu niquais. Ouais. Véronica, notre propre cousine. Rien. Alors, ça va, hein? Alors, hein? Enfin, ta femme t'a au moins. Je savais pas que ta femme était pour les femmes, hein? Moi non plus, mais c'est pas grave. Elle va te parler avec une femme, tant que c'est pas avec un homme, c'est pas grave, ça compte pas. Ah. Allez à la tablette, hein. Ah, ça blève un putain. Oh, la tablette. Continue et je te viole, mais des fois qu'on est. Allez, La tablette de merde là. bon. Oh, la tablette. Je te chie dessus. Venez, papa, on est. Ah, moi. Ah, non. Maintenant, c'est Gigi qui a bougé. Ah, oh, là, là. Allez. Ah, moi. Ah, c'est vrai. On est que c'est vrai. Et c'est comme ça. Pas le brun. Ah ouais, ah tant mieux, rien, rien. Allez, salut, au revoir. Ah ouais. On va peut-être quitter les bonus qui sont sauf là. Rien. Voilà. Et ben voilà. Ouais, aujourd'hui, il n'y aura pas d'invité dans le fauteuil. Dans le fauteuil. Ah non, ils entendent tous entendre de répéter pour 2022. Rien. Bon. Ah ouais. Et donc voilà. Ah ouais? Mais bon, je vais quand même mettre un invité. Je vais pas mettre un invité, je vais mettre l'ancien belle-maman. Voilà. Je vais quand même faire ma pause. Garrette, cigarette, garrette. Oui, bon, bref, laisse tomber.
Rien, rien. Et donc voilà. Alors, ça va? Ouais, la forme? Ouais, prêt pour 2022? Ouais. Mais tant mieux. T'inquiète, on a quand même dit que tu nous invitais. Donc, on a qu'à dire qu'il y a quand même un invité dans le fauteuil. C'est la dame à assister, l'ancienne belle-maman. Aïe, ah ouais. Vous inquiétez pas. Hein. Vous la retrouverez quand les deux seront nouveaux en train de faire le tour du monde. Aïe, ah non, la vraie belle-maman, elle n'est pas vraiment acteur. Alors, voilà. Elle est plutôt chanteur. Chanteuse. Aïe, ah non. Ah, mais c'est pas dangereux de chanter une femme enceinte, au contraire. Une femme enceinte, enfin, ça dépend de la chanson. Ça dépend de la chanson, mais une femme enceinte a le droit de chanter. Ça relaxe le bébé qui est en elle. À moins qu'il soit plus en elle, mais qu'il est. Enfin, bon, ouais, laisse tomber. Ah, ouais. Ah, bah ouais. Et puis, sauf le yoga. Ça, c'est pas bon. Parce que le yoga, tu dois être en. Allez, en. En an, donc ça va pas. Ouais. Mais bon. Une maman enceinte pour faire pipi, c'est bien. Mais si elle doit faire pipi en même temps qu'elle doit accoucher, ça va être compliqué. Hein. À moins, c'est déjà arrivé hein, une fois. Une femme enceinte qui t'avait fait pipi en même temps et qui l'a fait les deux en même temps. Je lui dis. Au moins comme ça, son enfant, il était déjà baptisé, hein, même s'il n'était pas croyant. Hein. À moins. Mais bon, mais c'est rare, hein? Quoi? Avec une femme, de faire les deux en même temps, le pipi et accoucher en même temps. Ouais. Imagine que la femme doit faire pipi. Mais elle fait pipi avec sa salade. Mais l'enfant, il sort d'où? Aussi de la salade, hein? Donc voilà. Enfin, je veux dire, il sort du vagin de la femme. Mais le pipi aussi. Donc le pipi sort au même endroit que l'enfant. Hein. Ah ouais, mais si les deux sortent en même temps. Ah ouais, c'est dangereux. C'est déjà arrivé. Hein. Que la femme doit pisser, elle pousse. L'enfant commence à sortir, mais elle pisse en ce moment. Elle pisse en même temps. Donc t'as les deux qui viennent en même temps. Ouais, mais hey, on avec ça, le médecin, là. Enfin, ou le gynécologue, un des deux, ils sont tous les deux, hein, baptisés, hein, agneaux, hein. Agneaux, hein. Ah, mais c'est comme ça, l'Afrique, hein. Ah, ouais, hein. Et samedi, la Belgique va gagner, hein. Au moins. Aïe, elle le fout, hein. À 21h, hein. Aïe, et demain à 17h, Rafael Nadal, il va gagner, hein. Peut-être pas à 17h, Trump, ça commence à 17h30, mais il va quand même gagner. À moins. Il va se qualifier pour la finale. Et la finale, il va gagner. Vous savez, il a gagné 14 fois. Le titre de Roland Garros. Hein? Il mérite bien son surnom, le roi du tennis de terre battue. Il porte bien son nom, enfin son surnom. Hein? Et il parle bien le français, hein? Pour un espagnol.
À moi, hein? Bon, l'anglais aussi, mais ça, c'est pas nécessaire, hein? Mais bon. Bah ouais, c'est pas nécessaire de parler l'anglais comme il faut. En Belgique, si t'arrives pas bien à parler l'anglais, mais t'arrives bien à parler le néerlandais, c'est bon, et nous connaissons dans le brouillon, et une pocket, et une pocket, rien. On balaie ses pesées, hein. Rien, hein. C'est pas comme en Chine où ils sont obligés de parler la langue nationale, la langue du pays, hein. Enfin la langue de naissance, la langue latine, enfin la langue, enfin ouais. Voilà. Hein. Ouais. Enfin ils sont quand même 1,6 milliard à parler tous le chinois, hein. Et le virus, hein, ouais. C'est leur nouvelle langue. Mais là, ils ont deux langues en Chine. Ils parlent le chinois et ils parlent la langue du coronavirus. Ah ouais, hein? Les Anglais aussi, hein? Ils parlent l'anglais et le coronavirus anglais. Ah ouais, hein? Allez, hein? Allez, au revoir. Ben voilà. Tout est bien qui finit bien. Demain, on est vendredi. Donc demain, c'est à 22h. Voilà. Donc, on se retrouve demain à 22h. On va voir demain à 22h. Et bonne soirée à tous et à tous.